Aujourd'hui, il pleut, on n'a pas une bonne météo, donc ce qu'on fait, c'est qu'on visite nos pièges à frelons. Alors, le piège à frelons, c'est très simple, c'est une cloche. On va vous l'ouvrir. Qu'est-ce que tu mets dedans? Alors, c'est un mélange assez particulier, on met du vin blanc, 2/3 de vin blanc, 1/3 de bière brune, et un petit peu de sirop sucré, de façon... sachant qu'avec l'alcool, les abeilles n'iront pas. Donc malheureusement, à cette époque-là, il faut piéger les reines fondatrices des frelons asiatiques et des frelons... alors voilà. Ben là, c'est bien, vous avez les deux. Voilà, par exemple. C'est ça. Là, vous avez une reine frelon asiatique. Alors, le frelon asiatique, c'est assez particulier, puisque dans les nids, en fin d'année, c'est-à-dire avant l'hiver, la reine va féconder d'autres reines, d'accord ? Qui vont être fécondées, qui vont aller s'enterrer pendant l'hiver et qui vont ressortir au début du printemps. Ces jeunes reines, elles vont sortir dès les premiers beaux jours et vont créer un premier nid primaire. Donc c'est vraiment important de les piéger, puisque ça va éviter le nid primaire qui ensuite donnera un nid important, et sachant que c'est quand même un gros prédateur pour les ruches. T'as une seule reine par essaim ou t'en as plusieurs? Alors, quand elle fait son nid primaire, elle est seule, d'accord ? Elle va le bâtir, et ensuite, avant l'hiver, elle va féconder d'autres reines, donc plusieurs reines vont coexister au sein d'un même nid, et après vont partir s'enterrer partout. Donc là, vous avez des reines, frelons asiatiques, allez. Européen, ouais, ça c'est asiatique. Ouais. À quoi tu reconnais la différence entre... Ah bah vous allez voir de suite. Voilà, et ça, c'est une reine, c'est le crabeau, donc ça c'est notre frelon européen. Donc une reine, elle est en moyenne... 1 cm plus grande qu'un frelon normal. Ça, c'est, elle est vraiment très grosse, celle-là. Ouais, on voit bien, ouais. D'accord. Puis elle n'a pas la même... Non, on le voit, elle n'a pas du tout le même corps. Donc, asiatique. Ok, là, on les voit bien. Là. L'intérêt de piéger les reines maintenant, c'est éviter les nids primaires. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, puisque les reines, elles vont s'affronter entre elles au niveau du territoire. Donc, il y aura beaucoup moins de nids qu'il y a de reines. On va limiter. Mais souvent, alors selon les régions, à partir de... Ici, dans Lot-et-Garonne, fin août, il y a un nouvel essor de frelons asiatiques. Donc le piège, c'est vraiment un moyen efficace de protéger vos essaims. Surtout des jeunes essaims comme ça qui ont été mis en ruche. Alors que là, ici, on aura mis une reine, une grille. Je ne sais pas si tu peux montrer la grille. Ici. D'accord. La grille, elle permet... À l'origine, c'est des grilles qui étaient faites pour les frelons, les crabeaux. D'accord. Les très gros. Les très gros. Malheureusement, les frelons asiatiques, ils arrivent à pénétrer quand même à l'intérieur de Ils sont beaucoup plus petits, en fait. Ruche. Plus une ruche, elle est populeuse, moins elle est en danger par rapport aux frelons asiatiques. Parce que souvent, vous verrez, si malheureusement vous en avez, les abeilles, elles vont rester en position devant ici, comme ça, et attendre et lutter pour éviter qu'ils rentrent. Malheureusement, sur un jeune essaim comme celui-là... On est un peu devant. Là, il n'est pas assez puissant pour se défendre. Les frelons vont arriver, ils vont prendre une, deux, plusieurs abeilles. Attendez, je fais une petite visite. Mais toi derrière, parce qu'en fait, en plus aujourd'hui il pleut. Ouais. Donc elles aiment pas trop qu'on vienne les embêter. Il faut jamais ouvrir une ruche quand il pleut. Donc là on n'ouvre pas, mais on est à côté. Voilà, donc là les abeilles rentrent, elles sont pas gênées, d'accord. Voilà. Donc pensez à bien piéger les frelons asiatiques. Tu pièges jusqu'à quand? Là on va arrêter dans une semaine. D'accord. D'accord, parce que ça va être la fin des reines. Et on voit en fonction de l'évolution, il suffit de se promener sur les ruchers pour voir éventuellement si la présence de frelons. D'accord. Et là, on en a... En fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met un piège toutes les deux tables, à peu près. Là, on a une population qui est quand même assez faible parce qu'on a en vendu une partie de nos essaims. Donc, il reste peu de ruches. Ça va remonter. Là, tout ça, ça va être plein. On fait maximum 30 ruches par rucher. Et en fonction de la densité de la population, on va peut-être aussi rajouter des pièges. Et surtout, là, c'est quoi? C'est toutes les semaines qu'on vient refaire le niveau dans le piège? Alors... Ça dépend de la chaleur, bien sûr. S'il fait chaud, ça va se déshydrater. Et ce qui est important, c'est que le piège, il faut le changer, au moins rafraîchir, rajouter du liquide une fois par semaine, puisqu'il perd en attractivité. D'accord. Le seul inconvénient, c'est que vous allez attraper, malheureusement, quelquefois, quelques papillons et quelques mouches. Mais c'est un prélèvement qui est insignifiant. Voilà.